Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après la dernière vidéo que j'ai fait sur comment contourner l'iPhone pour pouvoir accéder au fichier de l'iPhone, celle-ci demande un jailbreak et beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment je peux jailbreaker mon iPhone. Donc je lis tous vos commentaires. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire. Je vais essayer de vous répondre soit en vidéo, soit en écrit sur le commentaire. Donc, ce qui concerne le jailbreak, voilà, c'est le jour J. Je vous ai préparé la vidéo complète, comment on peut jailbreaker notre iPhone assez facilement par rapport aux autres méthodes qu'on peut trouver sur Internet. Maintenant, vous pouvez le faire. Mais avant de passer à cette vidéo, n'oubliez pas de récompenser cette vidéo avec un gros go pouce bleu, de partager et de s'abonner pour qu'on puisse atteindre les 100K. Je compte sur vous. On se retrouve juste après cet extrait. Donc, on va voir rapidement comment on pourra jailbreaker notre iPhone comme celui-ci, comme vous le voyez. On va le jailbreaker juste maintenant. Pour cela, vous allez trouver toutes les informations nécessaires et les fichiers nécessaires à télécharger dans le site Anis Partage. Voilà, dans le site là, vous allez trouver les méthodes qu'il faut suivre et les fichiers qu'il faut télécharger. Il faut télécharger celui-ci, Blender, Etcher et Check-in-1X. Voilà. Il suffit juste d'appuyer ici et attendre 30 secondes et vous allez télécharger les deux fichiers là. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Après cela, il vous faut un flash disque USB ou une carte SD. Moi, ici, je vais utiliser le flash disque. Je vais le mettre en place. Voilà, le PC a détecté le flash disque, lecteur USB. Maintenant, on va lancer le logiciel qu'on a installé, Blender Etcher. Voilà, c'est celui-ci. Après avoir installé le logiciel et le téléchargé, on va sélectionner Flash from File. Flash from File. Et on va aller dans Téléchargement et sélectionner le deuxième fichier qu'on a téléchargé, Check-in-1X, celui-ici, voilà, ouvrir. Maintenant, on va choisir ici la carte SD ou l'USB. Moi, ici, c'est l'USB. Voilà, je vais sélectionner. Après cela, je vais appuyer sur Flash et attendre que le flash disque sera flashé. Voilà, et attendre que le flash s'effectue sur le flash disque. Voilà, c'est assez rapide. Très bien. Le flash est complet. Maintenant, on va redémarrer notre PC et on se retrouve juste de l'autre côté. Donc, après cela, on va redémarrer notre PC en allant ici dans les paramètres, qu'on voit ici, redémarrer. Entrée. Si votre iPhone est un iPhone 8 ou un iPhone 8 Plus, iPhone X, et en allant jusqu'à les derniers iPhones, vous allez choisir autoriser la version iOS iPad non testée. Si votre iPhone est un iPhone 6S, 6S Plus ou 7, 7 Plus, sélectionnez autoriser la version USB non testée. Voilà, sélectionnez celle-ci. On va la cocher par entrée. Donc, si vous avez une version récente, vous allez cocher cette case aussi. Moi, c'est pas la peine, par la version celui-ci, elle est ancienne. Back. Maintenant, il faut qu'on connecte notre smartphone au PC. Voilà, on va le connecter et maintenir ces deux touches-là jusqu'à ce que ce logo s'affiche. On va rendre notre iPhone à sa place. Maintenant, on va appuyer sur Start. Une certaine combinaison ici pour que le flash se fait, pour que le jailbreak soit fait. Je vais le refaire. Pareil. Donc, il faut appuyer sur ces deux. On va appuyer sur Start. On va appuyer sur ces deux touches-là. Après cela, il faut juste rester appuyé sur cette touche-là. Donc, cette combinaison, il faut. Voilà. Maintenant, comme vous le voyez ici, il va le jailbreaker normalement. Voilà. Maintenant, le iPhone est jailbreaké, comme vous le voyez ici. Donc, il faut juste faire cette combinaison-là, rester appuyé sur les deux. Après, rester appuyé juste sur le bouton de Home. Maintenant, le jailbreak se fera normalement. Hold on, voilà. Hold on, le jailbreak est fait.
Voilà, c'est ce qui concerne le jailbreak. Comme vous le voyez ici, on a réussi à jailbreaker l'iPhone 6 Plus. Si vous avez d'autres versions d'iPhone les plus récentes et sur les iOS les plus récents, le jailbreak sera pas aussi facile que celui-ci. Et si vous voulez que je fasse un jailbreak sur les dernières versions d'iPhone, vous allez mentionner cela dans le commentaire. Et je vais le faire comme cette vidéo, vous m'avez suggéré le jailbreak, j'ai fait. Si vous avez d'autres vidéos et d'autres suggestions, n'hésitez pas à le mentionner dans l'espace commentaire. Et si vous avez un iPhone bloqué, vous avez oublié votre mot de passe ou votre iCloud et vous voulez bypasser et passer et avoir les fichiers de votre iPhone et de pouvoir utiliser l'iPhone, vous allez trouver la vidéo ici qui va vous expliquer ce genre de méthode-là. C'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas d'aimer, de s'abonner et d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos et de s'abonner en force et de partager, de conseiller cette vidéo à l'un de vos amis qu'elle pourra aider. Par exemple, si l'un de vos amis a un iPhone bloqué, il pourra le débloquer avec cette méthode-là. D'ici là, la paix sur vous. Salam, peace.